amis internautes, bonjour. Petite vidéo 360 depuis le col des Priaux. Col des Priaux au-dessus de Luz-la-Croix-Haute. Une heure de montée bien raide par une piste forestière pendant une heure et la récompense elle est là. Donc voilà, vous pouvez regarder. Joli petit paysage sympathique. La Jarjate, le Grand Ferrand, tous les beaux petits sommets du Dévoluy. Voilà, il n'y a plus qu'à redescendre dans la vallée, la Jarjate est remontée en face. Voilà, donc ça ne sera pas du direct parce qu'ici il n'y a pas de 3G ni de 4G, il n'y a même pas de téléphone. Voilà, c'est un retour aux sources, bien mérité. Salut, à plus. Deuxième petite vidéo depuis la Jarjate, donc j'arrive depuis le col qui est dans le fond là-haut. C'est une belle descente, mais technique, très raide et des lacets très resserrés. Voilà, je fais un tour d'horizon. Un petit tour d'horizon. J'ai profité un peu du coin là. Alors c'est vraiment chouette. Donc là, la Jarjate. Vidéo, là je suis juste à côté de la fontaine de Moujous au-dessus de la Jarjate et en fait j'ai soi-disant les pieds sur l'un des derniers thermafrost de l'arc alpin et peut-être même de l'Europe. Thermafrost, c'est-à-dire que je suis sur le glacier fossile qui existait ici il y a 20-25 000 ans et qui d'après les grosses têtes serait sous terre. Donc thermafrost, c'est-à-dire sol gelé. Pas les vérifier, hein, on va leur faire confiance. Enfin, en tout cas, même s'il est plus là, je peux vous garantir que le site il vaut le coup d'œil. À pied, à VTT, à cheval, à mouton, j'en sais rien, sur un âne. Comme vous voulez, mais venez, c'est super sympa. Salut, à plus. Sans doute dernière vidéo. Après avoir vu un petit galuchet stocké du coin, dernier tronçon en direction du retour. Dernier tour d'horizon. Voilà. Un petit coin sympa. On y reviendra. À plus.